Ce jour est intitulé « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Chacun peut prendre note à la maison là où il se trouve, chacun peut prendre note « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». C'est le thème de ce dimanche. Alléluia. Que Dieu bénisse son église et que sa main soit sur son peuple. Là où vous êtes à la maison, disposez-vous. On ne peut pas faire culte comme à la normale, donc il y a des hommes et des femmes qui m'ont appelé de partout et vraiment, ils tenaient vraiment à suivre ce culte et Dieu a fait grâce. Nous sommes en plein direct. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons là où vous êtes. Je salue tous ceux qui sont vraiment déjà touchés par la maladie. Recevez mes salutations, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Un peuple de Dieu, peuple du monde entier, vous qui suivez en direct, il y a des officiers de l'armée qui viennent de rentrer dans l'église. Ils ont demandé 50 personnes en Côte d'Ivoire pour que nous puissions prier. Nous allons commencer à compter. Mon ami, nous sommes combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes 5 dans la salle ici. Et ils sont venus, j'ai entendu, voir un thé. Comme on peut dire ça dans une mosquée ou bien quelque part. Ils ont demandé qu'on ne fasse pas culte, on n'a pas fait culte. Moi, mes appareils se trouvent dans le temps. Et j'ai demandé aux gens d'allumer les appareils pour pouvoir venir vous parler. Et ils rentrent, il n'y a pas culte. Mais ils me disent, vous qui vous suivez en direct, donc vous pouvez partager la vidéo sur YouTube partout dans le monde entier. Ils sont là, vous pouvez les filmer, c'est le corps habillé. Ils sont au nombre de combien? Ils sont combien? Deux corps habillés sont rentrés. Donc, moi je respecte les autorités. J'ai demandé au pasteur, presque pas de causer avec eux, mais quand même ils tiennent à ce que j'arrête le culte. Donc, frères et sœurs, dans le Seigneur, je dis que rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est le message que le Seigneur me donne pour ce dimanche. Donc, nous sommes cinq personnes. Et les cinq personnes, vraiment, vous-même, vous avez vu le début du culte. Je vous ai montré la disposition. Il y a au moins 10 mètres entre chaque personne. Voilà, 10 mètres entre chaque personne. Et les cinq personnes, c'est un pianiste, plus trois chants, plus moi-même le pasteur. Ça fait 5. Voilà. Donc, un peu pour moi, soyez témoin de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai voulu que cela soit en direct. Et Dieu a voulu que ça soit en direct. Parce qu'il savait tout ce qui est arrivé. Voilà la Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ésaïe 44, verset 9 au verset 11. Vous prenez vos bibles à la maison, on peut commencer à lire. Et c'est votre Dieu l'avait fait à la main rouge. Alléluia. Oui, monsieur. Donne-lui le portable. Faut pas le recevoir. Oui, monsieur. Oui, donne-moi. Ah, bon, oui. Bon, monsieur, parlez en même temps, parlez. Mais vous le mettez sur le direct ou pas? Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Tout ce que je fais, Dieu m'a dit, fais tout en direct. Arrêtez. Mais écoutez d'abord, regardez ici. Je vous dis d'arrêter. Regardez ici, monsieur. Monsieur. Arrêtez. Monsieur. On vous parle. Arrêtez. Entrez à les passer par rapport à ça. Arrêtez. C'est une autorité. Tu ne peux pas mettre l'autorité en direct. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais dites-nous les fractions quand même. Dites les fractions, si on peut parler des fractions, c'est là où on peut parler qu'on a des fractions, mais quelqu'un est de droit, au lieu de dimanche, c'est autorisé dans toute la Côte d'Ivoire que les chrétiens prient dimanche. Donc le président n'a pas dit de ne pas prier, il dit 50 personnes, et on n'arrive même pas à 50. On ne peut pas arrêter parce que le monde va être témoin. Mais arrêtez! Est-ce que c'est normal ce que lui-même est en train de faire là? Lui-même dans le téléphone, il est en train de dire, est-ce que ce qu'il fait là c'est normal? Ce que vous pouvez faire, laissez tomber, allez-y, travailler. Il y a plein de personnes qui sont entassées dans les bus. On ne tenait pas là-bas. On est 5 dans l'église, c'est nous, venez mélanger ici. Il y a des bagages qui sont remplis de 18 personnes, 20 personnes. Vous voyez, pas moi, 5 dans l'église. Est-ce que même quand vous regardez ça, même encore du bon là, c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'ai dit, donnez-moi le corps à la fin de prier. Vous n'allez pas donner. Hein? Vous n'allez pas donner. Maintenant, je suis dans mon direct. C'est avant qu'on dirait que je vous ai piqué un couteau. Quand le cadavre était là-bas, là, il s'est mangé. Il y en a un dans son cadavre. Donnez-moi un prier pour les pardonner. Depuis ce jour-là, vous êtes contre moi. Je partais à la plage pendant 2 heures de temps. Vous m'avez demandé 180 000 pour que la voiture va passer. Hein? 180 000. Aujourd'hui encore, c'est autre chose. Pourquoi on fait ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Que le monde entier pour ça. Frère de se partager la victoire au maximum. Mettez sur YouTube.
faites capture vidéo. Amen. Vous ne voulez pas qu'il fasse disparaître. Faites capture vidéo. Publiez ça partout dans le monde entier. Vous qui êtes des procureurs, des avocats, des huissiers, vous tous, je vous prends témoin. Après ça, les gens se prennent au plateau. Oui, monsieur, bonjour. André là, tiens. Ça veut dire que lui-même il m'appelle, il me regarde en direct là-bas. Il me regarde en direct, c'est pas. Comment il sait qu'il est en direct? Au moins, il a dit lui, monsieur n'est la roubée. Donc les frères, est-ce que c'est vraiment, si vraiment c'est le vrai Dieu que nous les chrétiens invoquons, dans tous les pays du monde, il n'y a pas un État qui a fait ça à une église. Il n'y a pas un président, ni un policier qui a fait ça à une église. Donc, monsieur le président de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, appelez les gens qui sont sous votre autorité et demandez-leur qui est en train de fatiguer le pasteur David Abogo, qui est en train de prier pour le pays et le monde entier. Ils n'ont qu'à vous faire un rapport exact de celui qui a appelé, jusqu'à même le civil qui est venu s'asseoir devant l'église pour appeler. Parce que c'est mon voisin. Lui, je le connais tout à l'heure, il a fait direct à lui. Chaud, chaud même. Même si la fermée porte est tapée, pas ouvrir. Je suis à lui tout de suite. Alléluia. Tous ceux qui sont au quartier sont au courant. Avant Affaire Arafat, ils sont venus deux fois ici pour prendre mes baffes. Donc ce n'est pas Affaire Arafat qui fait que les gens qui sont contre moi. Non, non, il y a longtemps. Avant Affaire Arafat, ils sont venus deux fois prendre mes baffes ici. Il y a une mosquée qui est au bloc carrefour de l'église. Et l'imam qui est là, un jour, j'ai mis le témoignage de Issou Kone, où il parle en français et puis en traduit en Dulala. Et qui est devenu pasteur là. Donc ça fait mal à l'imam depuis ce jour. Il dit que lui, il a les parents qui sont replacés, qui vont me créer des problèmes dans le pays depuis ce jour-là. Il ne faut que venir prendre mes baffes. Et un jour, dans le discours, il a son neveu qui est là, il s'appelle Ouattara, qui est journaliste, et il a son autre neveu qui a habité chez lui, qui travaille à Anagel actuellement. Lui-même, il a dit, il ne met plus sa main dans ça là. Donc que le monde entier entende cette vérité, et que la terre entière comprenne. On est dans le quartier d'Abobo Dépôt. Vous tous qui êtes partout dans le monde entier, c'est Abobo Dépôt Petit Goudron. Actuellement, le but est en direct. L'image n'est pas encore interrompue. Vous tous êtes dans le quartier, alertez vos voisins, que chacun vienne ce qui se passe à Bobo. Que chacun vienne voir ce qui se passe à Bobo. Vous tous les fidèles qui me regardent en direct, vous tous déplacez-vous, venez voir ce qui se passe à Bobo. C'est pas normal. Que chacun sort de sa maison pour venir voir ce qui se passe à Bobo. Pourquoi chacun peut faire un truc comme ça? Hein? Pourquoi on peut faire un truc comme ça? Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Mon petit, ma fille, Aurélie, hier, avant-hier, les autres jours, les gars préparent dans la mosquée là, ils ne vont pas parler prier. Même tous les jours, ils ne vont pas parler prier. Qui a dit quelque chose? On est là, on va, on dit rien. À ton tour, tu vas t'arrêter. Tout à l'heure, tu te dis, vous filmez en direct. Quand vous allez rentrer, filmez ça. Vous rentrez dans la mosquée, vous m'avez dit prier, vous faites croire aux gens qui n'ont pas parti prier. Vous fermez mosquée là si vous êtes dedans là-bas. On a tout vu au quartier ici, voilà la mosquée. On peut dire, prends le portable, on va partir, j'ai montré mosquée là. Allons-y dehors. Prends le portable. Jacques Léo. Viens prendre le portable, allons-y, j'ai montré mosquée là. Quand on parle ici, les gens parlent s'amuser. Prends le téléphone là, ou viens partir. Viens partir. Prends un petit film en même temps. Oui. On peut dire, voilà, voilà. Voilà, voilà, la mosquée, ok. Viens parti. Regardez,
Regardez, ils ont cassé tout. Ils ont lancé les cailloux. Ils ont fait quoi? Ils ont cassé le. Mais laisse tomber. Il y a scandale. Est-ce que c'est normal? Regardez, regardez. Lève la pierre de l'ancien qui se réveille. Fais pas tes passeurs. Rentre ça là-bas. Évite ça. Évite le scandale. C'est rien scandalisé. Évite le scandale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Normal. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Vous arrêtez là. Est-ce que c'est normal? Lui qui a téléphoné là, c'est lui qui a la source du scandale. Regardez. Regardez ce qui se passe dans vos mots. Hein? Ils sont venus l'attraper. Vous regardez. Regardez. Est-ce normal? Est-ce que tu vas là? Mon frère, tu as vu ça? Mon champion, est-ce que tu as vu quelque chose? Regarde ici. Tu vas avoir peur. Tu as vu quelque chose? Ma fille? Tu vas avoir peur même, ça va? Tu as vu non? Tous ceux-là sont témoins. Ça va, Béli? Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis ils ont cassé notre travail. Non, faut laisser tomber. Faut laisser tomber. S'il est dans le pays, là, il y a les autorités là. Ils vont rendre justice. Jésus! Hein? Faut qu'on ait Karim, ils ont lancé là. Ils ont tapé les gens. C'est pas votre problème. On me dit, ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils ont fait quoi? Chacun. Ils m'ont tapé. Celui qui a. Et il la connaît. Mon numéro est bien. Non, laisse tomber. Vous voyez, la gloire est bien à Dieu. On est plus en train de dire que suivez par tout le monde entier. Suivez par tout le monde entier. N'oubliez pas votre main. C'est lui qui a fermé. C'est lui-même. C'est lui qui a fermé. Ok. Chacun peut retourner à la maison où il est. Nous allons continuer. Les gens demandent l'état de quoi niveau à vous. Est-ce que c'est maman? Mon béni. Mon béni. Viens. Tu as vu quelque chose? Tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as vu quelque chose? Ça va? On va avoir peur, hein? On va avoir peur là-bas. On va laisser. Il y a les gens qui sont nés pour les trucs bêtes, il y a les gens qui sont nés pour les bonnes choses. Non, on ne fera pas les trucs comme ça. Non, c'est même pas normal même. C'est même pas normal même. Guéri. Thank you.
Merci Jésus, que la gloire te revienne. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Alléluia, nous pouvons continuer. Donc, je reviens sur ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que le chrétien ne comprend pas. J'ai dit tout ce qui va arriver, tout ce qui se fait, je sais tout. Je sais tout. C'est pourquoi je me prépare toujours. Vous voyez ma raison. Donc, vous qui êtes des chrétiens, des hommes de droit partout en Côte d'Ivoire, le monde entier, regardez bien les choses et puis prions pour le pays. Prions pour le pays. Prions aussi pour nos concitoyens, pour nos voisins, nos frères et sœurs. Prions, parce que coronavirus, c'est 3 semaines, Dieu m'a dit, et ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit que quelqu'un ne va plus mourir, qu'un pays ne sera plus athée. Dieu n'a pas dit ça. Il dit dans 3 semaines, jusqu'au 10 avril, ça va finir. Mais il n'a pas dit, aujourd'hui c'est fini. Donc vous, tous qui m'entendez, celui qui peut se repentir, qu'il se repente. Alléluia, gloire à Jésus. Donc je disais que le coronavirus, c'est comme le Jourdain que le Seigneur met devant nous, le Jourdain que le Seigneur met devant chaque homme, chaque femme, pour revenir à lui dans sa terre sainte. Et le Jourdain est comme une épreuve. Certains ont refroidi dans la foi, certains ont été découragés, certains ont été tronqués. Je vais vous laisser, vous allez voir, les choses se sont calmées au niveau de nous qui sommes venus prier, c'est-à-dire ceux qui sont venus m'accompagner dans le direct. Vous allez voir que les choses sont revenues. C'est un peu ceux qui ont signalé que je suis en train de faire culte dans le sens que je ne puisse pas glorifier le Seigneur, c'est eux qui tapotent encore. Donc, pour y jeter un coup d'œil, voilà une personne. Voici une deuxième personne. Voilà. C'est celle qui chantait. Celui-là, c'est lui qui jouait le piano. Et il continuera de jouer. Et la sœur qui est là, elle répond. Et puis, l'autre sœur qui est là, elle aussi elle répond. Vous voyez? Donc, je crois bien que il n'y a rien. Je peux faire la prière comme Dieu l'a demandé. Alléluia. Donc, dans vos maisons, vous êtes disposons-nous. Le culte continue. Gloire à Jésus. Amen.